Bonjour tout, mes amis les Français, Chris. Alors, pour dire deux, trois choses, vite fait, vite fait. On revient sous Draxler et Kimpembe. Le Paris Saint-Germain a bien dit qu'il n'y a rien avec eux. Comme je l'ai dit, il n'y a rien contre Draxler et Kimpembe. Ils sont vendables, donc on se lève de la tête. En Italie, la presse, ils s'inventent une nouvelle comme ça. Ils se réveillent, hop, ils s'inventent une nouvelle. C'est vrai que moi, aujourd'hui, je fais un screen et je l'ai envoyé à Sky, à midi, parce qu'eux, ils ne savaient même pas, ils savaient encore même pas que la clause a été refusée pour l'autre abruti du président de la Ligue espagnole, Tebas, qui connaît rien foutre et s'est fait la loi, lui. C'est un autre abruti, lui. Imaginez-vous comme il travaille en Italie, la presse. Je veux dire, quand t'as une rédaction avec plus de 200 personnes qui travaillent à l'intérieur et tu sais pas qu'ils ont refusé, tu le sais 3 heures après et c'est moi que je l'ai mis comme screen. Allez, j'ai l'habitude que je fais l'italienne. Je mets le screen que j'ai envoyé à Sky, à Di Marzio. Di Marzio l'a publié à midi. Moi, 2 heures avant, j'ai publié ça sur notre page, Interista, Criticone Channel YouTube. Ah, les gars, allez mettre like la page. Elle s'appelle comme la chaîne YouTube qu'on a, avec YouTube derrière, sur Facebook, je parle. Donc, Interista, Criticone Channel YouTube. Ça, c'est le nom de la page Facebook qui est fait par moi. Donc, là, je mets le screen et je me suis foutu de leur gueule pour dire que, les gars, faut pas l'écouter, ils s'inventent des choses tous les jours. Quant à Caramo, le coach du camp, je m'excuserai, je ne m'appelle plus le nom, mais je veux gris et tout, il a dit qu'il s'entraîne avec eux, mais qu'il va partir. Donc il attend deux joueurs nouveaux pour la semaine prochaine. Donc on ne peut pas payer 10 millions d'euros à ce garçon, qui est très beau, il joue bien, mais bon, faut qu'il apprend. Quand à janvier, il peut signer à zéro. Donc c'est très bien ce qu'il fait l'Inter. Le joueur, il a refusé tout le monde, même l'Arsenal, il veut l'Inter. Donc à la fin, il va arriver. Donc 5 millions pour deux bonus, ça va être très bien. Donc ça, on ne s'énerve pas. D'Albert, c'est fait. Demain, il doit être, même ce soir, il doit arriver à Milan. On part des visites médicales entre samedi et demain, on verra bien. Apparemment, c'est fait. Donc pas dimanche, on pourra même le voir contre Villarreal, un morceau du match. Moi, j'aimerais qu'il fasse une visite médicale demain, quand ça s'entraîne samedi, et dimanche, on peut le voir jouer. Voilà. Quant à Mourinho, il est quasiment fait. Il reste 1 million entre la différence entre Valence et l'Inter. Il propose droit avec obligation d'achat. On n'est vraiment pas loin, et c'est le joueur qui a demandé d'être vendu. Donc, voilà. On verra bien qui va venir. Il n'y a pas d'autres grosses nouvelles qui est à Baldé. Il va à la Juve à 5 millions d'euros. Il aura 7 joueurs avant lui, 8 avec lui, 8 joueurs offensifs à la Juve. Qu'est-ce que tu veux faire là-bas? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? On repart des chics qui, soi-disant, il fait sa visite médicale pour avoir l'idoneité et après il s'engage avec l'Inter. Sans cette dernière nouvelle, voilà. Hier, la presse italienne a relancé en pompe avec les trompettes et tout, les fumigènes, les pétards, les bombes cartes, on a fait exploser que Vidal, il va venir à l'Inter. Mais Vidal, on le sait très bien qu'avec l'Inter, il y a un accord total, sous le salaire et sous la durée des contrats. 4 ans, 7 millions et demi net. Le problème, ce n'est pas que le joueur, le problème, c'est que le Bayern, ils ne veulent pas le vendre. Donc, hier, le site FC Inter News qui a publié la nouvelle, il a rien dit de nouveau, c'est des choses qu'on savait il y a 15 jours, ça n'a rien changé les gars. Sabatini, ils peuvent le prendre, il peut revenir sur 100 millions d'euros. Là, on a 45 qui va relancer à 50. Et à chaque fois, on nous dit non, Ancelotti, ce gros PD qui perd tout le match. C'est bien fait pour ta gueule, Dembélé va te faire un cul comme ça, Sandy. Un cul comme ça va te faire, Dembélé, gros PD. Donne-nous Vidal, c'est des saloperies d'un mec, va. Ce gros PD là. Voilà, donc Ancelotti, ce petit cochon de Milan là, pas vendre à l'Inter. Et Vidal, c'est vrai qu'il veut venir à l'Inter, il l'a dit. Maintenant, il a démenti, il a dit que c'est pas vrai, mais c'est normal, les gars. Il est au Bayern, il ne peut pas dire, ouais, je vais aller à l'Inter. Voilà, il l'a fait d'Albert, mais il l'a fait une fois, mais comme il est jour, il dit pas ça. Neymar l'a jamais dit publiquement, hein, il y a 2-3 semaines qu'il voulait partir à Paris Saint-Germain. Bon, on le savait, il ne l'a pas dit. Hier, après, il a annoncé qu'il allait partir, mais avant, il ne disait rien. Voilà. Donc, ça, c'est les nouvelles. Donc, c'est la comique de Tebas. On parle vite fait du Paris Saint-Germain. C'est vraiment une comique, ce truc-là, que je viens de voir. Le mec qui s'invente des lois. Lui, il n'est rien. Déjà, Tebas, il était déjà eu des problèmes au niveau de justice sportive en Espagne. Tricherios, parce qu'il a récombiné. Mais c'est pas lui à décider où il prend l'argent. Il n'a rien à foutre, c'est pas son problème. Le problème, c'est la UEFA à la limite. Donc, mettons, l'avocat des Neymar, ils sont arrivés là-bas. Ils vont discuter, ils ont 3 possibilités. Là, ils ont refusé la Liga, mais ils n'ont pas le droit déjà, parce que c'est un droit de la législation espagnole.
pour les marques, ben, c'est de payer sa clause et c'est libéré. Donc, ils ne peuvent pas déjà, au niveau des lois. Il ne peut pas refuser, même si l'argent vient de Qatar, parce que c'est, lui, ce n'est pas la UEFA. Et si lui est là, donc il va en signer. Donc, soit il va verser directement le chèque à Barcelone. Si Barcelone ne veut pas le prendre, il peut aller chez le notaire. Ils disent que Barcelone, ils ont refusé, il faut un acte notarial. Ils versent le chèque à nom de Barcelone au notaire, ou ils font un virement bancaire. Voilà. Et donc, demain, il sera bouclé. Tout ce cinéma pour rien. Pourquoi je vous parle ça? Parce que quand même, c'est le jour, c'est le transfert plus gros du monde, parce que c'est un grand joueur, parce que Paris avec un joueur comme ça, il va rentrer de cet argent, il a 25 ans, il va être le numéro mondial bientôt, parce que Neymar ne sera pas, Ronaldo, Messi ne seront pas toujours éternels, comme ça, ils sont bien âgés, donc il est très jeune, donc cet argent, ça va revenir, ça va frotter de l'argent, et donc c'est bien quand même pour la France. Après que c'est immoral et l'argent, bon, mais pour nous l'Inter, c'est bien que ça va aboutir à sa négociation, qu'il va donner un effet domino sur tout le marché, et comme ça l'Inter il pourra peut-être boucler une ou deux joueurs à des prix intéressants pour nous, parce qu'avant c'était pas envisageable. Donc c'est très important que Neymar va à Paris, pour notre côté, pour cette question-là. Donc, vite. Au plus vite il arrive, et mieux ça va le mettre pour tout le monde. Donc l'Inter, il va avoir des bénéfices aussi. Voilà. Donc les gars, c'est ça pour aujourd'hui. Ah, une autre chose, mais je vais étudier, je vais expliquer demain. Et les nouvelles d'aujourd'hui, le journal Calcio Finanza, Foot et Finance, hein, c'est un journal de droit sportif. Il vient de dire qu'au moment donné, aujourd'hui, le Milan... Ils n'ont pas la fiduciaire. Fiduciaire, c'est la garantie pour payer Biya et Bonucci. Les banques refusent. Parce qu'ils refusent. Parce que toi, quand tu fais une opération comme ça, et c'est normal, demander une garantie au club de foot, tu dois donner une garantie, une contre-garantie. Et tous les contre-garanties qu'ils ont mis, ils ont donné les droits déjà pour la transmission de la télé. C'est-à-dire, c'est ce qu'ils ont signé comme contrat, c'est la garantie. Donner à la banque personnellement, parce qu'ils ont donné à Golden Sachs, à Elliott, ils ont donné beaucoup de choses comme ça, beaucoup de contrats garantis à Elliott. Ils n'ont plus rien à donner. Voilà pourquoi. Maintenant, ils sont en train à étudier des plans pour donner des contre-garanties à la banque. Tout ce qu'ils ont donné à Elliott, ils doivent le donner même à la banque. Alors, vous voyez que toute cette grandeur, il n'y a pas. Hein? Alors aujourd'hui, ils n'ont pas les garanties pour payer Bonucci et Biya. Et tout le monde disait, ah, ils font ça, mais on va voir. Moi, je dis qu'il reste trois derbys sûrement à jouer. Après, on va voir c'est ce qui se passe avec c'est ce qu'ils font. Moi, j'espère qu'eux, qu'ils ont vraiment les contrats publicitaires qui arrivent et tout, parce que sinon, c'est vraiment mal. Hein? C'est vraiment mal. Hein? La preuve, aujourd'hui, les banques, elles ont du mal à leur faire confiance. Voilà, les gars. Pour aujourd'hui, c'est tout. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Dès qu'il y a des nouvelles, on sera toujours là. On vous donnera des nouvelles. Un bisou à tous et seulement le maillot. Ciao les gars, à demain.